Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'objectifs anamorphiques, plus précisément de filtres anamorphiques de la marque Freewell pour le Mavic Air 2. Alors rassurez-vous, si vous n'y connaissez rien en objectifs anamorphiques, je vous dirai tout aujourd'hui à quoi ça sert, comment on l'utilise et comment on travaille après les images au montage pour avoir bah, le meilleur rendu possible. On y va Alors vous avez dû voir beaucoup de vidéos YouTube, dont certaines des miennes d'ailleurs, où des fois on fait apparaître des bandes noires en haut et en bas de l'image. On fait ça pour arriver à avoir un format un petit peu euh, type cinéma, mais ça ne va pas élargir l'image. On a le même angle, on a juste rogné, coupé le haut et le bas pour avoir ce format un petit peu 2.35 comme il y a au cinéma. Alors au cinéma c'est un peu différent. Certains films sont tournés aussi comme ça, mais la plupart sont tournés avec des objectifs anamorphiques qui permettent dès la prise de vue de déformer l'image pour en voir beaucoup. Plus sur les côtés et avoir une image qui est moins haute. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a deux autres paramètres qui caractérisent souvent les filtres anamorphiques euh, outre le angle qui est plus large. C'est d'une part le fait qu'on a un peu de déformation euh, sur les bords. Un peu euh, si on regarde l'horizon par exemple, il va se courber un peu sur les bords. Et le second paramètre qu'on trouve souvent au cinéma, c'est ce flare un peu bleu qu'il y a sur une lumière euh, qui est en face de l'objectif, euh, qui est vraiment typique des filtres anamorphiques. Alors ça, ces trois points-là, ce sont les trois points qu'on retrouve vraiment au cinéma et que tente de reproduire les objectifs ou les filtres anamorphiques, on va dire grand public. Alors concrètement, sur le Mavic Air 2, si je me filme comme ça à bout de bras avec le drone dans la main, voilà l'angle que vous avez sans aucun filtre. Donc là, c'est comme ça qu'on me voit sans le filtre anamorphique. Maintenant, on met en place le filtre anamorphique de la marque Freewell. Donc voilà, j'ai mis en place le filtre anamorphique Freewell sur le Mavic Air 2, toujours que je tiens à bout de bras. Et là, on voit vraiment la différence. On a gagné en angle sur les côtés par rapport à quand il n'y avait pas le filtre. C'est vraiment à ça que servent les filtres et objectifs anamorphiques. Alors, quand on utilise un filtre grand angle par exemple sur le Snow Pocket, on a vraiment un plus grand angle dans toutes les directions, vers le haut, le bas, les côtés. Euh, là, c'est un peu différent. Hein. L'image, elle est vraiment déformée pour avoir juste une image plus large sur les côtés et moins haute en fait. Cette déformation, elle fait que quand vous regardez l'image sur un montage vidéo normal, on va dire, mais vraiment tout est déformé. Il va falloir arriver à désanamorphiser cette image, à la retransformer en fait, pour qu'elle euh, ait vraiment l'allure qu'elle doit avoir avec ces fameuses bandes noires qui vont apparaître et les choses qui sont dans la bonne proportion. On voit ça maintenant. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle le ratio de déformation de l'image. Chaque objectif anamorphique a un ratio différent. Le standard, on va dire, c'est 1,33, mais dans le cas de celui de la marque Freewell que j'utilise pour le Mavic Air 2, là c'est 1,15. Donc ce ratio, retenez-le bien, on va en reparler après, c'est vraiment très simple. Comme pour tout montage vidéo, la première question c'est quel est le format de vidéo que vous voulez exporter au final euh, Quelle est la résolution de votre timeline en fait Donc si vous voulez tout filmer avec le même filtre anamorphique et publier après une vidéo uniquement anamorphique, eh bien c'est peut-être intéressant de dès le début régler votre projet avec les bonnes valeurs. Donc là c'est pas compliqué. Si vous montez par exemple en 4K UHD, donc 3840 par 2160, c'est la hauteur là, 2160 qui diviser par le ratio de votre objectif anamorphique, donc 2160 divisé par 1,15, on est à 1878. Dans votre timeline, votre projet, faudra le régler pour euh, un, mettre en custom sur davinci resolve la, la, la résolution, la définition du projet, et vous mettez 3840 par 1878. En faisant ça, vous aurez directement le bon, euh, la bonne image, la bonne taille d'image qu'aura filmé votre, votre drone. Il n'y aura plus qu'à importer dans votre projet euh, les plans filmés avec que le drone et son objectif anamorphique, les mettre dans la timeline et ils vont directement bien rentrer dans ce format-là. Maintenant, si comme moi pour cette vidéo, dans votre projet vous allez mélanger différents plans, dont certains plans uniquement en anamorphique et d'autres en format standard. Dans ces cas-là, moi, je choisis encore une fois 3840 par 2160, le 4K UHD. Euh, je mets tous mes plans dedans et quand j'ouvre un de mes plans filmés au drone avec le filtre anamorphique de chez Freewell, et eh bien là, euh, on voit bien que c'est déformé, c'est pas bon. Et pour arriver à avoir le bon format, c'est très simple. On va aller ici dans l'inspecteur, on va s'occuper du zoom, on va délier les zooms vertical et horizontal, et sur le zoom vertical, on on va appliquer le ratio 1,15 au zoom vertical. Donc on fait 1 sur 1,15, ça fait 0,87 à peu près. Euh, J'applique ça. Et en faisant ça, ça va directement me sortir l'image au bon format, euh, sans aucune déformation. C'est en tout cas comme ça que moi je fais. Je trouve cette technique assez rapide. Et elle est valable quel que soit votre logiciel de montage. Hein, sur Premiere Pro ou Final Cut, c'est pareil. Il n'y aura qu'à toucher au zoom vertical pour arriver à récupérer en appliquant le coefficient, le ratio de déformation de l'image. Alors si j'avais un filtre anamorphique qui avait comme ratio 1,33, j'aurais directement les bandes noires à la bonne taille, à la vraie taille on va dire cinéma. Euh, là c'est pas le cas, vous voyez avec ce ratio de 1,15 qui est un peu intermédiaire, j'ai des mini bandes noires en haut et en bas. Donc moi pour moi la solution euh, j'adopte dans ce cas là c'est que je vais rogner l'image pour arriver à récupérer mes vraies bandes noires donc du coup je vais rajouter sur ma au-dessus de mon plan un, un plan d'effet en fait et dans ce plan d'effet je vais aller trouver le rognage et rogner à 282 en haut et en bas pour récupérer une, une image on va dire au format que qu'on est habitué à voir au cinéma. Donc oui, je perds un petit peu de pixels sur le haut et le bas, mais bon voilà, ce qui compte c'est qu'elle est plus large, on a gagné vraiment en largeur grâce à ce filtre anamorphique, et c'est vraiment son but. Donc voilà, sur un montage qui mélange différentes caméras, différents objectifs, eh bien avoir l'une d'entre elles qui est en anamorphique... Et pas l'autre, il n'y a aucun souci, il n'y a qu'à rajouter les bandes noires partout, avec 282 en haut et en bas, euh, sur un montage en 4K UHD, hein, et puis après on mélange les plans filmés avec un, une caméra au sol, avec un objectif normal, un drone qui a un filtre freewell anamorphique, et personne ne verra euh, que, que, que ça manque ou que c'est en trop. Euh, le seul but c'est que voilà, sur les plans de drone, c'est quand même sympa, comme on voit du paysage en général, d'avoir ce très grand angle, ça apporte un plus ponctuellement. Forcément, mettre un objectif ou un filtre anamorphique eh bien, nous empêche de mettre aussi un filtre polarisant ou un filtre ND. Donc euh, voilà, il y a des choix à faire. Euh, mais bon, pour du paysage de loin, encore une fois, les filtres ND ne servent pour moi à rien. Euh, le filtre polarisant, par contre, peut être utile. Donc voilà, il y a des choix à faire. Si on n'est pas au-dessus de la mer, qu'il n'y a pas de gros reflets, un anamorphique permettra d'avoir un angle très large et de rendre un plan vraiment sympa aussi. Donc, ce filtre Freewell, il est que en 1,15 de ratio. C'est petit, hein, mais bon, c'est quand même une belle prouesse d'arriver à faire un filtre anamorphique si petit qui va sur la nacelle d'un drone sans perturber au niveau du poids l'étalonnage de la nacelle. C'est vraiment du beau travail. Comme d'hab, aucune déformation particulière, le filtre résistant à la poussière, à la rayure. Bref, du bon travail à la Freewell, comme d'hab. Alors, vous avez dû voir passer beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent d'anamorphique, c'est un peu la grosse mode du moment, mais pour savoir que niveau historique, c'est pas du tout récent, hein, ça a commencé vraiment en 1952 quand la 20th Century Fox a racheté la technologie à un ingénieur euh, et astronome français, Henri-Jacques Chrétien, qui avait inventé cette technologie d'objectif anamorphique, et euh, ils ont racheté cette technologie pour faire euh, le premier film anamorphique, c'était La Tunique. Donc, à l'époque, c'était en format en ratio 1,33, et après, ça, ça a évolué hein, pour être maintenant du 2,39. Donc donc 2,39 fois plus long que haut si vous préférez et il euh, y a plein de films on va dire cultes, tournés avec euh, objectif anamorphique Apocalypse Now Blade Runner le pont de la rivière quoi et rencontre du troisième type Bref, vous avez tous vu des films tournés en anamorphique, que ce soit des vieux films ou des films récents. Alors je trouvais le sujet intéressant parce que anamorphique, je pense que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est, donc ça me paraît assez intéressant de vous raconter un petit peu ce côté historique et aussi en pratique comment ça marche et comment on s'en sert. Si ça vous a plu, ça vous a été utile, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, pensez à vous abonner, moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.